pas de jaguar. Toi tu es Yajirobe, tu n'as pas de technique. Byakugan, je peux voir qu'ils n'ont aucune sagesse. J'ai la coiffe, Prespi. Ok, les deux sacrés sont devant. Lux à l'initiative. On va faire un tour sur les rez. Les caca de grosse rez en face, le féca de grosse rez. Le sadi, il faudrait mieux pas qu'il mange une pupu. Hein. 15% net, ça risque de. Grave. Putain, mais ce minuteur de. Il a 40% terre par contre. Attendez deux secondes, je coupe ce minuteur, tiens, il va faire que sonner. Voilà. Chez Lux. J'ai l'impression que ça a augmenté un peu des résistances. Parce qu'il me semblait qu'ils avaient qu'ils avaient de faibles résistances au premier match, si je me trompe pas. L'ennu a toujours le même mode. Ouais, c'est possible. Et il me semble qu'ils ont changé certains modes. Ouais, ils ont un petit peu plus de résistance, ouais. Ah, mais je connais très bien cette map, je viens de m'en souvenir. Ah là là, super map. Ah là là, El Famoso est nu. Hein. Mais je l'ai coupé ce putain de mine. Faut que t'ailles dans ton réglage. Mais tu sais que j'ai annulé, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a œil en de tout cas, top, ça joue en 12-6 okay. Partout, du côté de Miaou, sauf les cas, en 13-5. Ça a œil de top, ça a tenté un chaf, c'est pas passé chez Lux. Ça va tenter les. Le chaffeur. Les... Ok, ça chaffe au côté casque, ça va chatter. Et ça ne crit pas non plus. Les sacrés n'ont pas l'air d'être 1 sur 2. Ok, ils ont perdu un PM, mais ils ont gagné un PA. Du côté de Miaou avec l'odorat. Ok. Donc ça veut dire qu'il a up son sort odorat. S'ils peuvent perdre des choses. Il n'est pas niveau 2. Limite de, 6, limite de 18 PA PM cumulés. Donc tu peux composer. Ouais, c'est ça. 14-4, 12-6, 13-5, etc. Éclairé du sol, ça dit. Bizarre. Oh, ouais, quoique. Ouh, le moins 3 PM qui fait mal. Non, le Sadi est pas plus dangereux que ça. Je vois pas pourquoi. Bah après, tu me diras, ils ont déjà ODT, donc. Donc au final, ils savaient peut-être pas où le mettre. Il aurait pu la garder pour. Pour plus tard, ouais. Et... Je pense qu'il va se debuff. Armure que venteuse. C'est armure que venteuse et ça booste les cas. Est-ce que Miaou sont en train de préparer un tour shot? Ouais, mais regarde la technique là du sac animé. Et voilà, ils sont tous immunisés maintenant. Ok, ça, là voilà. Voilà pourquoi ils ont sorti le Sadi à la place du Xelor. Et oui, c'est vachement intéressant. Ah ouais, c'est alors, est-ce que les remplaçants doivent être annoncés avant tournoi? Tu vois ce que non. Je veux dire ou pas? Non. Donc non, tu non. Peux. Est-ce qu'il faudrait pas le faire ça, tu vois? Ouais. Bon, on est d'accord que maintenant ils ont plus le droit de remplaçant. Ah bah non, après, là ils ont remplacé le Sadida, mais t'as pas le droit de remplacer s'il y a un autre match, un autre personnage. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas prendre un panda, par exemple. Ouais. Là, ils ont utilisé leur seul personnage de remplacement pour ouais, la fin du tournoi. Quoi. Bah, sinon, ce serait trop abusé. Parce qu'au final, si tu changes à chaque fois un personnage en fonction de l'équipe adverse... Ouais. Est-ce que ça serait intéressant pour Miaou de... C'est con, mais de transpo cop le sac pour le debuff et le finir, parce que là s'il le laisse comme ça... Ok. Oula. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah oui, ok, il voulait revenir avec c'est le sacrifice, mais il y a eu... Vu qu'il était en folie sanguinaire, il était protégé par... C'est pas un mauvais choix de Platinum, parce que le sacri, il est censé faire revenir. Donc il va se barrer. Il a récupéré la PO, le Sadi l'a debuff. Ah ouais, est-ce que il aurait pu... en fait, il aurait fallu que Lux... Le Krav expi tour d'avant. Ah, il a pas la PO sur le chauffeur. Ok, intéressant. Ah, si, il a. Ok. Ça utilise beaucoup de PA pour revenir, mais il le fallait. Hein. Il faut pas. Il est peut-être 1 sur 2 Arachné, c'est pour ça qu'il a tenté l'Arachné en fait. 5000 de vie pour à l'ancienne. Ouais. Pas des masses. 5300
pour le sacré de Platinum. Y'a ouais, y'a. À part le Sadik qui a une grosse grosse vita, le reste ça va, c'est assez classique. Là, au final, s'ils jouent distance, l'équipe de Lux, ils sont bien, hein, parce qu'ils sont immunisés à cause de l'arbre. Tout à fait, là. Il faut vraiment qu'ils arrivent à. Oh, nickel, Eric. Oh, il a pas eu le temps de se replacer. Ah, oh, ça c'est. Bah, c'est. Ça c'est. Ça c'est genre. Oh ah non, c'est pour eux. Ils se sont tous debuffs. Du coup, il y a plus les armures, mais le FK. Ils ont récupéré leur PO là. Toute la team de Miaou a récupéré sa PO. Ouais. Mais ça c'est la technique du sac, elle est lourde. Heureusement que le FK avait que armure venteuse. Oh, trop stylé le chaton en fait quand tu en remastered. Je sais pas si t'as déjà vu. Ça invoque un cœur, un truc bizarre. Ah, je sais pas, non, j'ai pas capté là pour le coup. J'avais jamais vu ça. Moi j'ai remarqué que l'immunité et l'animation a changé. Ouais. Et ça cupit tout le monde, Axel. Voilà, ce stade-là, ils peuvent booster tout le monde, hein, donc. Ouais. Ah. Désolé pour le bug de son. Ok, ça là. Je vais quitter le groupe quand même. Ah, t'es encore avec eux? Ouais. Bon, ils font. De toute façon, ils sont en vocal, mais bon. Oui. Après, rien n'est fait. Hein. Ils ont un Eka Flip. Il y a que le l'Eka qui a les Boubou. Pourquoi ne pas s'être mis à côté du Chaffeur et avoir Boubou le Sacri? Ouais. On voit de sort sur. On dirait l'Eka, non? Ils veulent protéger cet Eka, j'ai l'impression. C'est ça. On voit de sort sur l'Eka. PO ou pas? Putain, ça tir éloigné. Ah bah ouais, j'allais dire. Ouais, tir éloigné plus 7 PO. Putain, c'est vraiment worse quand même, ça. Ils ont du mal avec les zones ou quoi? Il aurait pu airbefall les cas aussi. Je pense qu'il a pas eu le temps de bien placer son herbe. Je pense plus à une glissade. Hein. C'est dommage hein, parce qu'il faut lui enlever des. Faut le nerf, hein, c'était cas. Bon, par contre, les bugs de son là, c'est. Enfin... Alors, que va faire le Sadida du côté de New? Ah, ça tente les chasseurs, les arachnés, rien ne passe. Est-ce qu'il aurait pas pu debuff ce sac? Parce que ça va rester longtemps, la puissance civile, ça dure super longtemps. 3 tours encore. Hein. Ouais. Ça aurait été intéressant peut-être de claquer. Bon, c'est un peu claqué dans le vide, mais c'est pour le bien de. Mais c'est vrai qu'il aurait pu. Pourquoi il a pas debuff le sac animé là? Là, ça fait. Il avait pas la PO, tu crois? Bah, si. Ils se sont fait. Ouais. Debuff. Il a récupéré. Normalement, il a la PO. Tous les jours, il avait la PO. Ouais, c'est bizarre. Parce que là, au final, tu debuff le sac animé, t'essayes de le tuer. Ouais, c'est ça. Tu. Parce que là, au final, ils sont toujours sous protection, quoi. Bah, ouais. Étonnant. En plus, ce qui est. Ah ouais, non, ils vont pas. Je pense qu'ils vont. Je pense que Lux va rester un maximum de. À distance, histoire de rentabiliser ce petit move puissance sylvestre au maximum. Il faut que Miaou aille les chercher ou debuff ce sac. Hein. Il y a 3 tours, faut le debuff, je pense. Ça commence à avancer. Il a debuff sacré. Non. Non, non. De quoi? Qui a des buffs quoi? Ah oui, il a raison. Au premier tour, le Sadida Raxdol, il a pas encore le cooldown pour. Ah, il avait des buffs ça. Ah, ouais, pour le. Au tout début pour enlever l'ODT. Ok. Autant enfin, pour moi, j'ai. Oh la vache. Pire streamer ever. Hein. Et oui, il a pas encore le cooldown. Yes, oh, yes. Là, là, la passe tour pour. Oh. Pour l'équipe Alux. Voilà. Ah là là, là ça va donner du piment. Par contre, il y a toujours ce sac, donc c'est ça. Il faut. Ils pourront rien faire s'ils le débuffent pas. Là, ils sont pas plus inquiétés que ça si le sac tombe pas. Oh, les Ara qui passent pas. Il y en a aucune qui passe. Aïe 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 aïe.
Les chasseurs ne passent pas, les arachnés ne passent pas. Là, on peut dire Le que Sadi, du Miaou n'a coup, pas pris l'œuf. n'a pas le coudin de l'insolente. C'est ça. Pastora vide, malheureusement. C'est ça. Et oui, on est bête, ils pouvaient pas débuff le sac Mais animé. ça leur permet de s'approcher tranquillement, donc ça peut. Ouais, ça peut. C'est quand même pas mal. Qui fait C'est pour ça qu'avec aveuglément. un EK, rien n'est fini. Hein. Et oui. Pour l'instant, ça n'a pas roulette. Hein, Ah si, ça roulait, ça passe tour. Ça roulait un peu tôt, non? Parce que. Ouais, tu me Ah bah diras, là, ils ont pas grand chose sur eux non plus. Hein, donc ils peuvent se permettre de roulette. Ouais, non, je pense qu'ils cherchent quand même la debuff de l'équipe adverse. Je pense que c'est pour ça que ça roulette. qu'est-ce que ça va plus vite comme... Ça soigne? Ah, ça veut régène... C'est quoi comme bâton? Oula, il a fait des jets de merde là. Un bâton qui soigne? Apparemment. Ah bah oui, sinon il aurait pas tapé sa clé. Tu le connais ce bâton toi? Non. Je le connais Je l'ai pas. déjà vu, mais je vois plus Thanos? lequel. Vas-y. Peut-être dans le chat, il y en a qui vont pouvoir nous aiguiller. Je sais pas. Un bâton qui soigne, Un bâton qui soigne, ouais. pour ceux qui le savent. J'ai pas vu à combien de PA il faisait son. J'ai pas regardé. 1 sur 2, chasseur arachné. Ouais, non, mais c'est vrai, ils ont vraiment pas de chance sur ça. Hein. Bon, ils ont pas rentabilisé le passe-tour, c'est dommage. Ils ont pu se Ouais, bah là en replacer. plus ils peuvent rien faire le sac animé. Là, à part se régène pendant le tour. Putain, le sacré il est déjà à 70% de sa vie là. Eh, j'ai eu Chlo en vocal, tu sais, quand t'es allé avec Frix. Ouais. Il me paraissait bien confiant. Hein. Il me l'avait pas Ah dit, ouais? cette strat Ouais, sac. il a fait une surprise. Et Oula, la ça roulette. débuffe tout le monde. Tout le monde. Ça débuffe tout le monde, ouais. Tout le monde. Donc, très intéressant parce que. Là, ça va roxer. Il a plus le temps à perdre. Champmanic, non, parce qu'il a soigné son allié. Il a tapé avec. Ah oui, non, c'était pas le champ-mas, ça. Non, C'est non, sûr. c'est carrément un bâton qui soigne. À l'image du C'est ça. Ronto ou de la baquette rond. Bon, bah il n'y a plus de sac, il n'y a plus de puissance. Il faut jouer maintenant. C'est parti. Il tente pas la couru? Faut courir, 7 PA. Courir-moi quelqu'un. Ouais. Voilà. Ok, ça courut le sacré. Ouais. Le Donc, sacri, du est-ce que coup, ça aurait ils ont été plus le pas soin. plus intéressant de courir ce TK quand même? À moins C'est. qu'ils veulent focus les cas et justement éviter que le sacri le soigne ou le protège. Et ça Possible, émue. possible. Ah ouais, l'immunité est jolie, l'animation Thanos? de sort. Ah ouais, bâton Thanos, ok, d'accord. Bon. J'irai regarder après. Je viens de découvrir l'immunité en remastered, Ouais, c'est très beau. c'est Ouais. sympa, c'est sympa. Ouais, ça fait Moi, tout autour du personnage. il m'a parlé, Lux, t'en souviens, il avait parlé d'un Xelor qui était debout sur sa DD. J'ai envie de voir ça. J'ai hâte de voir un Bah Xelor là, il sur n'y une a pas DD. de Xel, là. On pourra pas le voir. Apparemment, le Xelor en remastered, il est debout sur sa DD. Ok. Oh, pourquoi j'ai full bug de son là? Alors que j'avais jamais eu ça. Ça ronce apaisante le Sadi, il a plus que 1 Ouais, PM. c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que il va pas pouvoir debuff, donc ça. C'est un problème qui est réglé. Dans le chat, ça dit, ça comprend pas pourquoi ça émue l'EK à la place du Sacri, vu qu'il était corrupt. T'as pas compris? Non. Dans le chat, ils disaient pourquoi ils ont pas ému le sacré en fait, parce qu'ils ont claqué l'immunité sur les Bah cafés. non, c'est logique parce que là ils vont aller la Platinum vont clairement aller faire un focus sur les cas. C'est leur but. Possible. Donc non non le pour moi l'immu sur les cas était super bien joué. Regarde comment il est placé et en fait Ouais, je pense aussi qu'ils vont taper les cas, ouais. le sacré a été corrupt justement pour en revenir tout à l'heure pour pas que qu'il soigne ou qu'il sacrifie ou quoi. Ouais, c'est possible. Partiel de Donjon Dengu et Calibrasi. Ah, c'est pour ça que je connais pas alors ce cac. C'est un cac 2.0, ouais, donc c'est pas Thanos. On demandera, vous savez quoi. Faudrait que j'y pense et on leur enverra un petit message après le combat. Après, pourquoi ils ont pas pris le marteau ronto ou la baguette rond, je sais pas. Peut-être pour En avoir des coups plus critiques, hein, peut-être, hein. soigner sur un Saditer alors que.
À moins que le FK ait aussi un cas qui soit. Je sais pas. Pourquoi ne pas avoir mis un corps à C'est corps qui vraiment le soigne flou, sur le cette FK? compo. C'est. Ouais, c'est. Y a pas tout qui est clair. On verra quand il me linkera son cac s'il veut bien. En battant, il Ok, dit c'est 30. sacrifice. Racine, Equa One. Yes. Ok. Ok, ça sacrifice Je. les nus. D'accord. Après les nus, il a que 2002. Ouais, il a pas beaucoup de vie hein, la nuit. Il est bien Ouais, tombé, bah il s'est pris deux c'est. coups d'Aztèque ouais, par l'écart. Il va tenter Yes. peut-être l'arachné après, je sais pas. On va voir. Il avait rendu de 1 à 100, ok. On vient de me la link, le. Toujours l'arc à lamelle, hein, le Toujours, hein. cra. Toujours. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Que va faire Et l'EK? finalement, Steka n'a pas été tapé, hein. Ils ont Va-t-il préféré en encore fait. essayer une roulette? Ah ouais, d'accord, ils sont. Roulette, 400 chances. Ah ouais, non, en fait, Pour tout le monde. ils sont. Je pense qu'ils ont changé de focus au dernier moment après avoir vu l'immunité. Et au final, c'est pas plus mal parce que le sacré est couru, a été Ah, couru ils ont et pas là, les bluffs. ils vont pouvoir le taper en dessous de l'opti-pupu. Petit coup C'est un rush à d'Aztèque. la steak, hein. Ouais, C'est un il est no rush. boost, c'est dommage. Ça fait ses dégâts, hein, quand même. C'était nu qui a 260%. Ah, il a une Au roulette final, chance. Il a une roulette chance alors qu'il est haut, hein, ce Inu. Et c'est plus les vrai. douleurs partagées. Alors, Sur du ok. 35%, c'est correct, hein, ce qu'il fait. Si ça se trouve, il a Ouga O. Y a moyen qu'il soit haut. Hein. Sale Hein. bâton. Merci, Ro. Attention que j'ai Le trouvé que la sacré, racine du et quoi, hein, ça coup, fait du bien. n'a plus beaucoup de vie. Ouais, merci tout le monde, C'était du miel. on me la link dans le jeu. Ok, nickel. Et ouais, c'est. Regarde, ce focus sacré se passe plutôt pas mal. Le. À l'ancien des plus hauts petits Ouais. pupus. Est-ce que le Sadi va soit continuer à râler pour laisser à son équipe de taper le sacré ou alors Ok, qu'il va. ça joue arc. Le FK joue arc aussi. Intéressant. C'est bien joué, il se met devant le Sacri pour le protéger du Sadi. À mon avis, il y a clairement un duel Sadi-Sadi dans ce combat. Genre, ils vont se nerf Vont se faire chier l'un l'autre. mutuellement. Ouais. Carrément. Parce que là, au final, le Sadi du 10-5. côté de Miaou, plus de PM, 12-2. Pas Il pourrait faire herbe grand-chose. folle rag et. Ok. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ça veut sortir déjà d'une glyphe. Ok, Baguette baguette raie, raie. ok. Intéressant. Ok. C'est vrai qu'on La a surprise qui continue à des voquer. corps à corps un peu atypiques hein, côté platine. Ouais, c'est pas que du Aztèque ni de Lugarto. Bah ça fait du bien aussi de temps en temps de voir Ah, carrément. un peu d'autres cacs. Alors, que va faire le Sadi du Est-ce côté de que Miaou tu avec ses penses 2 PM qu'il là? a son rond 1 PM. 160? Non, je pense qu'il va pas se débattre, de toute façon c'est son dernier tour de apaisante. Mais ouais, il va pas pouvoir faire grand-chose avec 12 PA, peut-être tuer le sac, mais non, le sac il sacrifie plus là, donc. Ah, il peut pas faire grand-chose avec 1 PM là. Invoquer, il y a une surpuis déjà, une gonflable déjà, pour soigner un peu. Se remettre des PM. Ça réfléchit, faut jouer. Ouais. Ok. Ça apaisante les nues. Invoque une petite gonflable, ça se régène tranquillou. Et une bloqueuse. Ça va forcer les nues à faire une désinvocation déjà. Ouais, des invos Axel surtout. Ah oui, les sacrifices encore. Les poupées qui sont full aussi, hein, côté Ragdoll. Là, il commence à y avoir vraiment beaucoup d'invoques sur le Ah, board. Sadi contre Sadi. Mais Ah, j'ai l'impression que ce le combat ne Sadi. va pas être super long non plus. Parce que Ça rush quand même. ça a bien focus, ouais. Le Sacré qui a 1500 PDV. Mais tant qu'ils n'auront pas tué un Sadi. Qu'est-ce que. Il va folie les nues pour se placer? Ah, mais non, il peut y aller directement. À moins qu'il. Ah, ouais, il détacle. Qu'est-ce qu'il a comme cac? Lopo. Oh, ça tape L'Oponèse. fort! Ouais. Il y avait. Je crois qu'il a la roulette chance encore. Ouais, il a la roulette chance, c'est pour ça, ouais.
Ça profite pour régénérer son énu. En plus, va falloir qu'il se cache ce sacré parce qu'il faut pas qu'il se mette sur la ligne de l'arc de du cra. Éviter de mourir maintenant. Faut se soigner, faut se cacher un peu tempo, je pense. Ça déro contre un crack qui va jouer à l'arc, il faut pas rester là. Hein. Il va se faire tacler. S'il se Ah, fait il y a tacler, moyen. c'est. S'il se fait tacler, je crois. Non, il tombe pas, je pense pas. Ça va dispé Non, lui. double cac peut-être chercher côté cra. Aïe Snibé, aïe. qui le sait? Aïe aïe aïe. En plus, il n'a pas de ligne de vue là pour pouvoir taper le sacré. Cherche le détacle, tue le détacle. Il y a moyen, hein? Non, il tente pas. Bon, après, il le remet dans la glyphe, donc c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Ça continue de focus. Tu aurais tenté le détacle? Je pense que je l'aurais tenté. Bon. Ouais, mais le Libé, au final, c'est pas plus mal, tu sais, Après, ça dépend, genre, s'il connaît de son balancer les mode. cas. Ouais, c'est sûr, Regarde, l'Eka, il ça a lui enlève. perdu 4 PA avec la Jure? glyphe de Silence. 4 PA. Donc tu Ah vois, le Libé, au oui, pour le final, coup. Sa a sa chance, chance des cas. ok, sa chance. Mais il y a l'Inu qui joue juste derrière, donc on va voir si c'est un Inu debuff ou un Inu choker. Kaczynski, pardon. Allô? Le pauvre. Et ça Aïe, passe, aïe, c'est un aïe, Inu aïe, debuff aïe, aïe. effectivement, et ça va double cac. Ouais. Tape ton sacri, hein, prends la zone. Hein. Ah, dommage. Allez. Là, il va pas prendre la zone. Il... Bon, le Bon, en plus, sac. le Fekka, il aurait pas subi beaucoup de dégâts hein, avec ses boucliers du Fekka et tout. Ça va trêve, tu penses? Bah, là, il a déjà claqué l'immune, donc. Parce que Rag, il a le retour de son insolente. Il a pas trop le choix là. Hein. S'il veut sauver son sacré, Et après il y a le poison. Le poison du Sadi. Ah oui, le poison du Sadi, l'herbe folle. Ouais. Et ça trêve. Ok, ça trêve crit en Et ça plus. fait quoi en train de crit? Un tour de plus ou. Ça enlève un tour de trèfle pour le Fekka en fait. En gros, comment expliquer? Ouais, au lieu que ça se finisse après son tour, ça Voilà, c'est se. ça. Le Fekka, il récupère en même temps que l'adversaire, tu vois. Je crois. D'accord, Hein. ok. Enfin, moi, quand je faisais du PvP avec mon Fekka, quand je faisais trèfle crit, au moins, j'avais un tour de moins. Le fameux move de l'arachné très crit. Le seul move intéressant du Fekka. Pas se cacher. Ça débuffe le Fekka. Ok. De toute façon, c'était la seule chose pour sauver leur sacré, là, la trêve. Ben ouais. Sinon, il Mais en était fait, mort. là, il. Ouais. Bah, il va pouvoir se heal. Hein. Parce que l'autre sacré ne pourra pas le finir. Le Sadi pourrait invoquer un arbre de vie. Comme ça. Deux secondes, faut que j'envoie un message, je suis à toi. Va-t-il faire? Le Sadida. Il a 7 PM là, il a récupéré ses PM. Ça Ok, réfléchit. je suis là. Va-t-il invoquer son arbre de vie? Non. Peut-être. 9 PA. Ronce insolente, ok, ça débuffe l'ennemi. Combien c'est qu'il vient de lui debuff l'apaisante du tour d'avant quoi. Ouais. Là, il est hyper... En tout cas, il y a deux persos qui sont plus sous trêve, le Fekka et l'Enyu. L'Enyu de l'équipe de Lux. Il est ouvert le tabac à côté? Ouais, À cette heure-là encore? ah, ça, deux Sadi, hein. C'est long. Excusez-moi, j'ai pas trop suivi. Désolé. Oh, il n'y a pas eu de trop de mouvement là. Ok. Il y a juste les nus du côté de. Ok, la Libé. Les nus du côté de Lux qui est debuff.
Ouais, Ça, t'as dû le ça voir. bloque ce Sadi. Là, au final, il n'y a que les nus et le Feka qui sont des buffs de la trêve. Ouais, la vie du Kra là, va falloir le soigner un peu un jour, les gars. Là, il est sous trêve, donc il est tranquille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Les folies ne marchent pas sous trêve. Voilà. Par contre, si l'Enu arrive à débuff le Sacri, c'est terminado. Ok. Transpo les cas. Ça cope les K pour éviter que les K ils mettent des coups d'Aztèque. Mais de Comment toute ça se manière, fait qu'il Comment ça se fait il ça? était sous trêve. Ah oui, ok, il a plus de boost. Flèche en poids. Flèche en poids. Ouais, Tu vas nous carrément, je flèche sais en pas s'il y a poids, pensé. tu vas disper, tu vas mettre un shaft derrière, tu vas libé et tu le tues. Ah, il va peut-être tenter la recul. Libé, il a déjà claqué juste avant pour envoyer le Feka. Recul, recul et flèche en poids. Oh, Flèche enflammée, flèche en poids. flèche en, en poids, c'est 4 PA. Ouais, c'est 4 PA. Ouais. Il a pas eu Ah, le il y a temps. pas pensé. Ah, il faut y C'est penser, hein, il dommage. faut y penser. Après, c'est vrai que même moi, quand je joue Kral, là, en poids, on le met pas, tu vois, ce sort-là. Ouais, non, moi je l'ai, moi même moi, clairement, j'ai jamais dans mes trucs, mais là c'était quand même assez. Les deux coups On pouvait le d'Aztèque. voir, hein. L'emploi Mais là, il aurait plus. pu finir le sacré, hein. Est-ce qu'entre le poison paralysant du Sadi et la flèche en poids, tous les jours il était mort quoi. Mais Ah bon. ouais, carrément. Ça a pas été vu Il côté a Platinum, pas c'est eu le temps, je dommage. pense. Je pense qu'il n'y a pas pensé, sinon il aurait fait d'entrée, à mon avis. Mais oui, peut-être même une enflammée, ça aurait peut-être pu passer. Non, Peut-être. une enflammée ça fait jamais 113 de dopo. Ouais. Non, ça t'a pas des masses non plus. Ça cherche à débuff les cas, ça passe pas, il a plus de PA. PA. Se soigne, ok. Les nus est en mauvaise posture. Hein. Bah, les nus, bah franchement en fait quand le sacré a été bien tombé, bah il y avait un avantage côté platine, mais là ils se sont bien fait rox les nus, le cra. Faut que le sacré Ok. commence à soigner là. Ça continue de focus les nus. T'es à 700 730 pélé. points. Ça commence à être chaud là pour les nus. Hein. Attends le retour de puissance sylvestre côté Sadi. Pour pouvoir tempo le soin. Ah, ça a fait un renvoi de sort, mais sur qui? Sur le cra peut-être, non? Peut-être le Non, sacri. non. J'arrive pas à voir, il y a trop de monde sur le Tu peux board. cliquer sur les bandes noires. Je crois qu'il l'a fait sur lui-même. Hein. Attends. Je peux Ah cliquer non, il sur l'a fait sur qui? le Feka, il l'a fait sur le Feka. Ah, il a fait renvoi de sort sur le Feka. Ok. Mais non, mais il faut. Pas lui! Mais pourquoi il a pas tué le sacri là? Ah, ils arrivent Ah pas à le oui, mais il a voir. pas de ligne de vue. Il a pas de ligne de vue. Il avait 0 PM? Je sais pas s'il t'a clé. Il a claqué sa libé déjà? Je sais pas. Je me souviens pas s'il a claqué ou pas. En tout cas, s'il avait la libé, il aurait pu faire poison sur le sacré. Hein. Peut-être qu'il a claqué. Ah Peut-être oui, que il c'est avait pour ça. claqué, oui, il avait libé le sac, tour d'avant. Ouais, c'est pour ça. On va me tenter le debuff, le détacle là. On est toujours très attentif, hein. Toujours. Hein. Le petit message pour pas d'écho. Merde. Parce qu'au final, ça va vite 15 minutes. Hein. Alors, que va faire le Sadi? Dans la timeline, il n'y a que du Sadi. Ah, mais c'est ça. Ok, l'arbre de vie s'est lancé. Au final, ils n'arrivent pas à le tuer, ce sacré, hein, à 113 points de vie. Ça fait Mais déjà ouais, deux tours, hein. c'est. C'est dommage qu'il ne voyait pas Comment tu fais les sur le docu. board si tu veux cliquer sur le sacré là, vu que la timeline Bah, elle est trop. moi j'arrive à. Enfin, moi je vais sur les bandes noires et j'arrive à voir les persos. Sur les bandes noires? Ouais, tu. T'as pas les bandes noires toi à gauche? Non. Tu Parce les que là, envoies? moi, tu vois, en bas, il y a tellement d'invoques que Ouais, je peux pas avoir les deux. justement moi genre je continue la souris sur les bandes noires à gauche et j'arrive à. Ah bah là je l'ai plus là, il y a l'épée volante au maximum. Alors on peut plus voir les buffs du sacré. Ou alors on faisait Ah, ok. ça. Parce
Parce que moi, là, tu vois, je peux pas voir plus que le sac animé, pour te dire. Moi, je m'arrête à l'épée volante de. T'as peut-être un plus grand écran, je pense. Du Voilà. coup, ta résolution, tu peux voir plus, je sais pas. Non, je pense pas. Je sais pas. Ah, mais oui, ah bah non, 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 j'allais dire avec les flèches, mais non. Bon, pas grave. Petit glitch qui est trouvé. Bah, du coup, on voit plus les buffs. Alors, ça fait quoi? Ça se régène. Mais poussez-le, ils vont jamais le tuer. Ok, ça continue de se régène. Mais De par rien, contre, là, Feng, je les sais pas si murs. c'est un troll ou pas, mais de rien. Il faut le tuer, hein, les Et poisons. là, Et mais ouais, là, il il se faut le voir. soigne maintenant. Mais ouais. Ça, c'est peut-être ça qui va les faire Ça perdre. va, pour Ne moi, pas ça va avoir leur tué le sac coûter. animé. Ah ok, ça marche, Feng. Ça va. Et voilà, Ça là, va le leur sacré coûter le coup, match, cette hein, j'ai flèche Adidas. l'impression. Ah, mais carrément. La petite flèche empoisonnée de tout à l'heure. Empoisonné, le poison para, il faut le placer. Hein. C'est ça. Fallait tenter ce détail avec le sacré. Ah, Là, il est remonté à 1000 points de vie. Les nus à 620 points de vie. Je vois pas comment ils vont faire pour sauver leur ennemi. Là, salut Chi. c'est compliqué. Ça devient très compliqué pour la team de. Bon, après, bien entendu, nous on a le regard extérieur, mais Bien sûr, bien sûr. je pense que c'est quand même assez évident d'aller chercher les poisons. Surtout quand tu joues Sadie, tu dois le savoir. Et surtout que on sait que quand il y a un Fekka, il y a une trêve ou une immu qui va tomber. Ouais, C'est la mort de l'ennu. S'il n'y a pas de C, ça tente. Ah Il n'y a pas d'Astex. là. Et le fait l'Eka qui continue. Et voilà. Tu vois le chaton? T'as le remastered aussi? Non, putain, j'ai baissé les yeux plus au moment où. Oh! Ça invoque genre une boule rose et il sort de la boule rose. Genre comme c'est dans Dragon Ball Z, dans Boule. Le truc rose où il est dedans. Ah, je regarde pas Je te Dragon Ball jure. Z. Ah là là. Aïe aïe aïe, ça va m'insulter, mais je ne regarde pas, Ah là là, tu vas malheureusement. te faire insulter là. Monsieur, C'est le dessin animé quand tout le monde a vu. si, je le regarde tous les matins. Je sais pas pourquoi ça avait pas des dopos sur le FK. C'est pas sur le FK qu'il faut les faire, c'est sur le Sacri. À un moment, il était tombé à 100 PDV et ils ont pas voulu le poison ou le dopo. Et ça est en train de leur coûter le match. Je pense. Hein. Clairement, Honnêtement, clairement. je vois pas trop Sans le s'ils Sacri. finissent pas vite le sacré. C'est chaud. Oh, il attaque tout le monde. Au calme. Attention. Ah, ils vont s'en vouloir, hein, côté Platinum, ils vont s'en vouloir, je pense. Carrément. Parce que c'est un match éliminatoire et il n'y a pas de repêchage. C'est pas terminé encore. Hein. Avec les roulettes des cas, on sait jamais. Mais ça sent mauvais. Ouais, bon, je pense que c'est pas dans leur intérêt de roulette, hein. Non, là non. À ce stade-là, tu regardes leur vie, ils sont plutôt bien. Ouais, ils vont pas prendre de risques. Ouais, ils sont plutôt pas mal. Ouais, ça a l'air d'être terminé pour Lux, hein. C'est vraiment une grosse glissade du fait qu'ils n'ont pas pu tuer ce sacré. Ouais, c'est clair, il n'y a pas trop d'invoques. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Eli, mais je pense que ouais, ça leur a clairement coûté le match. Ah, carrément. Là, ils finissaient le sacri, déjà, c'est tranquille. Hein. C'est une grosse erreur. Hein. Mais bon. Après, comme on dit, hein, voilà, nous, on a le point de vue extérieur. Est-ce qu'ils ont réussi à penser à tout? Mais bon. Ok. Ah La merci. puissance qu'il veste le sacri. Il m'a clip l'invocation du chaton. Merci, merci. Ah ouais? Oui. Je pourrais. Excellent. Oh, Oh, le l'effet critique, pas CK. encore. Sa puissance qui? À l'ancienne. Leur sacri. Pour Oh qu'il là reste là. en vie. Il ne mourra pas, ce sacré. Et au final, les gonflables qui continuent de régénérer le sacri. Ils peuvent quand même le tuer, hein, en faisant des flèches empoisonnées, recul, libé. Je crois Mais bon. qu'ils vont y penser maintenant. Là, ils vont perdre trop de temps s'ils commencent à essayer d'empoivre. Parce que là, en plus, le Sadida ne pourra pas le debuff, donc il va rester en puissance Sylvestre. Ah ouais, il est bien Donc placé c'est en là. ligne. Ah ouais, avec l'arbre et tout devant. Merci, Monsieur X.
Le Kra, il est en très mauvaise posture parce que l'Eka est juste devant et au final, il n'a plus le coup. Il est où le Kra? Il est là. Ah ouais, même le Kra va même pas pouvoir empoisonner ni recul. Il y a un combat de fourbe qui se prépare là. Fourbe qui. Ça râle les fourbes? Non. Les fourbes, ils râlent les. Ouais, c'est ça. La surpuie, les autres fourbes. Ouais, si c'était un match, c'est dans un match. C'est rare ça, hein, que deux sadis. Ah, merci, ah merci Schaffer. Carrément, il fait le game. Et ma timeline. Alors, non, je suis toujours sur l'épée volante là. Ok, ça c'est bien joué ça. Ça c'est très très bien joué parce que l'Eka au final il est bloqué. Ouais. T'as vu ce qu'il vient de faire là? Bien sûr, bien sûr. Très très bien joué. Du coup, ça va aller focus. Ça va bloquer Feka qui n'a pas d'armure sur lui. Hein. Rien. Le Sacri, il est obligé de passer son tour parce qu'il est puissant Sylvestre, il n'a rien à faire. À qui il a joué? Okay. C'était au Sacri qui était en puissance Sylvestre. Attends, j'essaie de trouver le Kra. Ah, j'ai bah, le Kra, ils vont. Douleur. Ils vont taper le Feka. Hein. Il est pas boost le Kra. Non. Je crois que c'est même pas boost du combat, il me semble. Il va cinglante le Sadida peut-être. Qu'est-ce qu'il va faire? FA. Ah non. Ça non, va mettre deux coups. Ça focus le FK. Il faut qu'il fuit, il faut qu'il se barre là, le Kra. Voilà, casse-toi, t'as que 2 PM, mais reste pas là parce que. Tu vois, l'Eka au final, il peut rien faire, l'Eka. Il a 13 PA. Il y a l'arbre de vie, il va se soigner, hein. Soigne-toi. Ouais, c'est tout ce qu'il peut faire. Ah, il a quand même une ligne de vue sur le Sadi. Ça, c'est bien vu. Les bluffs qui font très très mal parce que du coup il y a les deux tours de la roulette chance donc ça fait très 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 mal. Ouf. 400 300 oh, quand j'avais pas vu. Ah oui, il a bien presque fait. 1500 2100 HP pour le Sadi. C'est là ils sont très mal, hein. Dégâts. Le Sacri qui ne joue pas vraiment soutien chez eux, hein, en vrai. Rien, c'est que c'est leur seul soin là et il faut soigner. Ils ont perdu leur énu à cause de ça aussi. Le FK il va peut-être TP. Il a pas claqué encore la TP. Ouais, je pense. C'est plus intéressant. Surtout qu'il est taclé là donc. Voilà. Ça TP loin, hein, FK. Renvoi de sort, voilà, comme ça il est tranquille. Il n'y a que le corps à corps qui pourra lui faire des dégâts. Là ça devient très compliqué hein, pour l'équipe de Platinum. Que va faire le Sadi? 12-3, Salibé. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Tremblement. Oh, c'est trop tard. C'est trop tard. Il se soigne, il a 600. Il faut mieux qu'il reste là, comme ça il prend c'est, pas les bluffs. C'est trop, fallait le faire ouais. Avant. Fallait le faire avant sur le Sacri, ça. C'est dommage qu'il n'y a pas les fourbes là. Ah, si, il y en a quand même une qui a... Ça va supprimer un peu de. De fourbe, de folle et tous les tremblements, ça va être pas mal. Mmh. Ça va tuer les folles, hein, je pense. Toutes les folles, la gonflable. Ouais, mais tant mieux parce que ça devient infâme là. Je te jure, je déteste cette classe, Sadida. Ouais. Mais regarde tous les invoques de rag. 4, 6, 8, 10, 12. Ah ouais, regarde le 14. Régène. Le régène sur le Sacri. Il était à 500 points de vie. Il est monté à 1002. Oh là là. Il était à 600. Donc ouais, il a regen 600, ok. Tranquille. Ouais, ça regen de 1 à 100 quoi, c'est vachement aléatoire. Ouais, ah ouais, carrément. Mais ça on connaît ça sur les cacs soins. Ah, ils vont être déçus Platinum, hein, s'ils perdent à cause de... Carrément. S'ils perdent à cause de cette petite erreur qui va leur coûter le match, peut-être. Elle est pas petite l'erreur, hein. On va pas se le cacher, elle est pas petite. Hein. Je voulais soutenir un peu Luxe, mais bon. Ça devient très compliqué. Ouais, t'as raison, hop.
Là, je vois même pas qui c'est qui Bah joue ouais, avec le. sacré, ok. Ah, toi aussi? Ok, ça tue le chaton. Et... Oh, le cra est enfermé. Ouais, ça vient de débloquer son crâne, c'est pas mal Eh ouais. joué. Ok, ça booste un peu alors qu'il a pas trop de vie. Je Mais l'ai pas bon. vu soin du combat, je crois, le sacré. Ou une fois. Après, le sacré, il a 4400, il aurait pu soigner. Hein. Bah ouais, justement. Faut soigner pour aller chercher peut-être l'opti pupu qui peut faire la différence Ah, aussi, hein. c'est ça, c'est ça. XP les K, ok, ça valera le PM. Les K qui va pouvoir Qui va taper pouvoir taper. que le Sadi. En avançant d'un, il va pouvoir aller chercher la ligne de vue. Va-t-il mettre des gros bluffs encore comme tout à l'heure? Bah, il avait la roulette 400 chances. Ah ouais, bah, même sans la Ça roulette, hein, tape quand même fort, hein. ça fait ses dégâts. Encore un? Il est full crit, c'était K. Carrément. Je crois Que qu'il va les a, faire le CK? il les avait toutes passées au tour d'avant, non? C'est bluff en crit. Quasiment, ouais, il y en a un ou deux qui n'est pas passé en Ça crit. dit qu'il tombe à 500 HP, encore un coup, mais un coup. Ça fait le bouclier du CK. Bon, même sans le bouclier, il serait pas mort, hein, je pense. Là, ça devient. Ils sont dans le mal, hein, complet. Hein. 12-6, montre-nous ton cac, je crois qu'on l'a pas vu son cac. Que va-t-il faire? Herbe folle. Ok. Il va remettre un arbre peut-être. Ah si, Bagatelle, my bad, c'est vrai. Il va mettre un arbre, non? Il n'a plus d'invo. Ok, ça se régène quand même. Ah, tu crois qu'il pensait que la sacrifiée allait taper l'arbre de vie en la mettant là? Pas. De toute Je façon, pense pas, même si ça l'aurait tapé, ça aurait soin qu'elle a sacrifié. non. Ça va dans le micro, tu m'entends pas manger? Non. Bon appétit. Merci. Bon, ça va, c'est pas des chips. Là, tu vas pas Ouais. mourir. Ah, quand t'es en live, hein, tu bouffes pas des chips en vocal. Hein. Ah ouais, là, Par contre, hors t'imagines. live, ça y va. C'est le confinement, c'est le confinement. Alors, c'est plaisir. 1 PM. Ouais, ça cherche à régénérer son FK. Il a mis plus. Ok. 258, ouais, 200. 400. Ah. Ouh là, voilà. Là, ça fait le taf. Enfin un bon jet, ouais. Même le Sadi chez Platinum, il a même pas setup un arbre de vie quoi. Ils ont pas vraiment rentabilisé ce Sadi hein. Au début, ils ont fait un bon move avec le sac animé. J'ai l'impression, ouais voilà, j'ai l'impression qu'ils l'ont pris vraiment Mais la roulette. pour ce move puissance Sylvestre. Ils pensaient que le match allait se C'est jouer vrai que comme la ça. roulette qui a debuff aussi. Ouais. Un peu, mais ils étaient encore sacrifiés pendant encore 3 tours. Hein. Tu penses que c'est Lux sur le Sadi? Je sais pas. Parce que je sais que le propriétaire du Sadi c'est pas Lux. Peut-être qu'ils sont trois hein, sur ce match. Ce sacrifice. Peut-être. Ok. Une folle. Il a raison, hein, puisque le sacri, il est pas trop en danger avec ses 4300 points de vie. En plus, il dérobade. Sûr. Là, il bloque rien. Ah, il lui manquait un PM. Dommage. Que va faire le cra? Ah, ils sont très très mal. Hein. 1300 HP côté Sadi, 1400 côté Kra. Faut que le cra se régène, hein. Et chez Il peut Miaou, plus. on n'est pas trop mal. Hein. Le Sacri qui est remonté à 1400. Ok, ça va tuer le. Dommage, c'est pas passé. Ça a Pourquoi tenté le corps à corps à la fin. il n'a pas tué cette bloqueuse et la zone ralentissante là sur le FK et le Sadi?
Il aurait pu, hein, ça. Il aurait pu, ouais. Il a préféré tuer le comment s'appelle le Doppel. L'Eka qui vient chercher le Sadi et le Kra. Il le laisse pas respirer. Ça va tenter l'Arachné, je pense, vu qu'il est sacrifice. 5 PA, l'Arachné. Et ça et elle passe est pas. toujours pas passée. Aucune Arachné n'est passée. Aucun chauffeur non plus. Aucun leur chauffeur, aucun chauffeur aussi. Hein. Aucun chauffeur, aucune Et ça Arachné. les a pas retentés. Il a vraiment de bonnes raisons, ce FK. 43, 43, 36, 30, 26. En plus, ça sert pas vraiment à grand chose, je trouve, un FK d'avoir autant de raise. Bah, Le FK il est 50 partout. Ça évite juste. Bah, non, ça permet justement de mettre le bouclier FK sur un de ses alliés, même s'il a fait sur lui. Ouais. Ça immule le sacri. Ok. Ce sacri Alors qui que ne le sacri, il est va pas toujours mourir, super. hein, je pense. Hein. Non, je crois qu'il va le perdre justement. Dernier tour, ouais, effectivement, il va le perdre. À... Ils ont bonne lecture de jeu hein, de côté Miaou. J'ai l'impression que Platinum sont constamment en train de changer de focus, non? Ouais, ils savent pas trop qui taper là. Que... Ouais. Où ça se voit, ils ont la dalle, il fait se venger de la non-lock. Clairement, hein, ça a l'air de bien se passer pour eux. Oh, infâme le bruit électrique. Hein. Le bruit électrique? Ouais, de l'anime de la connaissance des poupées. Ah. J'avoue qu'il Encore une passe pas, hein. surcuit. 0 sur 7. Ah ouais, carrément. Je pense qu'il compte les arachnés et tout. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas suivi. Ah, le poison qui a tué l'arbre de vie. Ok. Ah non, c'est le tremblement Oui, plutôt, non? enfin oui, ouais, ce que j'appelle poison. Calmez-vous s'il vous plaît dans le chat. Faites respect pour les joueurs. Les cas. 762 points de vie. Ça, là, tu vois, c'est encore dommage. Au lieu de taper, son Sadi est dans sa zone, il aurait pu carrément le soin. Comme ça, je joue pas. À tout moment, je rentre dans le combat là. Je les fume tous. Que va faire le Kra? Il va Pourquoi? taper son. Pourquoi? Il troll, hein. Il C'est vraiment troll sur ce bizarre. coup. Il se booste à Il la se fin. booste après. Hein. Oh, il est Mais en full. non! Ils sont en full troll là. Ils sont en roue libre. Et en plus, il se remet dans la glyphe. Regarde. Alors qu'il pouvait sortir. Il était sorti d'une glyphe. Il pouvait sortir des deux glyphes là. Ah, je comprends pas là. Ah, est-ce qu'il va nous faire le kill? Non. Non. Il aurait pu tenter un recop. 400 PDV1. Oh, c'est vraiment dommage. Bon, Lux, fais-moi le C'est plaisir de beaucoup soigner. d'or. Ah, on revoit la timeline. Ah, ça y est, enfin. Enfin, le Ouf. retour. Ça fait plaisir. Et Et voilà, voilà. et voilà. À défaut de soins, Le deuxième mort. Miaou, j'ai l'impression que Miaou profite de toutes les erreurs et Carrément. très Parce que là, opportuniste, mais honnêtement, Jutsu ils ont aurait pu vachement raison. gagner. Ah ouais. En fait, sur chaque erreur que Platinum a fait, Miaou a toujours rebondi dessus. Ça. Merci Doppel FK pour réduire la timeline. Ouais. Continue. Arcalamel sur le Fekka. Bon, ça tue quand même
L'Oreca, mais ça me paraît très compliqué. Après, le Sacri a Il y beaucoup a de encore pas vie, mal hein. de vie, ouais. C'est pas fini, c'est pas fini. S'il arrive à Regen et je tapais une bonne Le... pupille au dernier. Ah, putain de bug de fond de merde. Pardon. Le Sadi est sacrifié en plus par le Sacri, hein. Donc, ouais. Falloir commencer à soin, peut-être soin et son petit pupu pour aller... Ouais, il y a Pour que comme ça aller qu'ils auront une chercher petite quelqu'un, hein. chance. Ce qui peut Parce que être... l'or sacré de Miaou, s'il se régène un peu, il est au petit pupu, hein. Ah, c'est l'arc oleptique? My bad. Sur le Fekka, ouais. Ok, my bad, autant pour moi. Voilà, ça Ouais, débuffe. ça débuff. Et ouais, ça débuffe, ça a pas soigné Va la... peut-être faire une ronce agressive. Petite apaisante. Il a le retour normalement. Je sais pas. Je crois que la dernière fois qu'il a apaisé, c'était sur les nues. Alors je pense pas, sinon il aurait claqué. Ok. Là, il faut absolument que Lux régène son Sadi, parce que sinon il tiendra pas longtemps. Ah ouais. Peut-être le détour pour le sortir de la glyphe. Les fourbes qui commencent à râler PM. Ouais, il pourrait le détour. Ah clairement, Mickey. Clairement. Ça a plus les Lux PM. a toujours la roulette 500 AJ. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va profiter des 500 AJ? Ah putain, 1 PM. Alors soit il soigne, ou soit il fait une attirance et deux coups de lopo. Ok, ça soigne. Il faut y aller encore, hein, soit encore. Ouais. Faut qu'il soigne. Il faut qu'il soigne. Ok. Et en plus, s'il soigne. Ok, ça va bloquer le Fekka. Ok. Et ouais, si t'es no boost. Le sacré, il peut faire. Ok, ça Héros. dérobade. Je crois qu'il a soit des buffs, non? La dernière fois qu'il a insolente, c'est quand il a mis les poisons. Ça fait un moment déjà. Il va faire une pupu. Voilà, une pupu. Moins 1000. Et là, il est à l'arc le Il a Fekka, donc l'arc, il il va pouvoir le peut. taper. Ouais. Peut-être. Peut je sais. Non, il a le retour de l'immu. Aveuglement, ok. J'ai un full bug de son là sur ce. Ok, ça fout le râle. Ah, il a les Et deux une donc mise en c'est garde. intéressant. Ils en gardent, ok. Ouais, il a 50 all là. C'est compliqué là hein, pour Platinum. Ils sont en train de subir toutes les erreurs qu'ils ont faites. Moins 3 Oh PA, là là. bah ouais, il détaque pas. Attends. Pourquoi il a tenté Il le y a... Mais il y détaque avait pas une sur le roulette AJ? sacré? Si, mais elle était pour Lux. Mais il avait. Non, il n'y est plus maintenant, Ah, il est plus, c'était il est le plus. tour d'avant. Mais là, j'ai pas compris pourquoi il a voulu détaque direct. Parce qu'il était pas buff et il pensait pouvoir le détacle, peut-être. Ouais. Enfin, détaque l'insacré, c'est chaud quand même, mais bon. Sans les châtis, ça se fait. Hein. Ça dépend Ouais, du c'est mode possible. du. C'est vrai. C'est vrai qu'il a pas de boost, donc il Ouais. aurait pu. Hein. Parce qu'en plus, il est en baguette rail, donc il a forcément 300 d'agi minimum. Ouais. J'avoue que là, il a pas eu de luck. Là, ça devient compliqué. Continue le focus. Ouh, le bon régène pour le sacré. Ah oui, 400. J'ai sacré un petit pupu là. C'est ça, il vient de la claquer, Je. Ouais, mais mais. là. Il est d'héros donc. Ah oui, il est tranquille. Et ouais, le Sadi qui se replace derrière pour bloquer son C'est ça. adversaire. Là, il va essayer de sauver son ami le Sadi. Mais il est dans deux glyphes. Donc, du coup, il va perdre un masse PA, je pense. Silence plus aveuglement. Va pas lui rester beaucoup de PA. Hein. Il peut même pas pupu le L'inconvénient, sacré. c'est que s'il attire pour le déloc, t'as l'autre sacré qui joue derrière, quoi. C'est ça. Donc, est-ce que ça serait plus intéressant de full soin? De toute façon, là, je vois pas comment ils peuvent revenir. Ouais, moi non plus. Parce que même s'il fout le soin. Ouh là 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 là. Oh là là. 4 PA, 5 PA.
À chaque fois qu'ils ont voulu essayer de détacler, c'est pas passé. Je pense que c'était pas intéressant là d'attirer. Là oui. Là oui, mais non. Parce qu'il va avancer Mais de le. 3, il détourne et c'est fini. Fin de combat. Je pense qu'il termine le Sadi. Mais non. Oh, fallait avancer et détourne quand même. Ok. Il était mieux mon move. Hein. Je pense aussi. Ça sacrifie le FK. Sacrifice au... On sait jamais. Ouais. Ok. Lux qui a un petit pupu hein, par contre. Il est déro encore le sacré, bah ça va pupu Sadi. Hein. Ouais. Bah, tu vois, le fait d'avoir fait ça, le Sadi se retrouve bloqué. Et ouais. Vu ses 15% de res, c'est bizarre. Elle va faire mal cette pupu. Oh, il continue. C'est le cancer. Hein. Il a raison. Ah, carrément. Allez, mon petit Doppel, continue à tuer. Le PA en plus. Il claque des immus Non, il claque déjà des renvois de sort. Il a fait sur le Sadi. Sadi, je crois. Oh, ça... Ouh là là. Faut pas là, pupu. Là, pas j'espère qu'il l'a vu, hein. Faut pas pupu là. Non, mais par contre, il va pouvoir pupu le sacri. Il est déro. Non, il vient de le debuff le Sadi. Ah oui, ok. Ouais, il est dans les deux glyphes. Ça sent la fin pour le Sadi là. Hein. Est-ce que l'autre Sadi peut le terminer? Franchement. Connaissant Claude, il va pupu le Sadi. Ouais. Mais là, il peut terminer le Sadi, hein. Avec des feux de brousse. Hein. S'il arrive à détacler, bien sûr. N'hésitez pas à suivre la chaîne de... YouTube, hein. Il y aura bientôt un best-of des erreurs de Claude. Non, il va pas tenter le détacle. Il fait charge quitte. Franchement. Hein. Ça ronce la pesante. Il peut détacler, hein, par contre. S'il va tenter. Ah, ça passe ouais, pas. Pas. Après, le sacré de Clo, il est en Loponaise, donc il a quand même beaucoup d'agi. Ouais, la pupu va faire mal. Parce que là, il est vraiment. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va faire cette erreur de chercher la pupu sur le Sadi. Non, c'est pas possible. Après, t'imagines, même. Il fait ça. Non, je pense qu'il va le faire là, il se reprend la pupu sur le FK parce que ça va désopti pupu le sacri qui a le retour de la pupu lui justement. Donc ouais, non, faut que tous les jours qu'il le fasse sur le bah FK là. Il faut qu'il pupu le FK là. Ah oui, pour désopti pupu à l'ancienne. Lui de pas pupu Sanissi. Non, je. Non, si pupu c'est pas, Sadi, là, c'est pas fair play pour Miaou que j'ai MP pour j'ai lui. J'ai envie de lui MP, mais je l'ai pas fait. Oh. J'avais trop envie, franchement, mais. Mais rien que son nom, il est trop long à écrire. Je te jure, j'ai commencé à chercher son nom, je fais. Non, c'est. Allez, flemme. Ah, je te jure. Moi, je peux, par contre. Non, allez, je peux pas faire play. Attention, il pupu. La pupu qui? Non. Ah, pff, j'ai cru qu'il allait. Que c'était pupu qui lançait. Oh non, ça pupu pas. Mais. Ah, si, il va le faire. Fais-le. Gégé. Voilà. Ah, m'a fait peur là. Bon. Le Sadi il va pas le finir parce qu'il va tomber là. Parce qu'en plus c'était le tour de la pupu. Là il faudrait qu'il faut. Non, folie ton sacré ton féca. Et fini. Ouais. Libé, peut-être. Pour dégager tout ça. Le tour du Sadi rouge, t'as le temps de faire couler un café, cuisiner, sortir ta chaîne, faire tourner une machine et. Détendre. Toujours plus. C'est un peu ça, ouais. Ok, le FK, il finit le Sadi. Ça va déjà enlever beaucoup de mobs. Enfin, de fourbes. Le timeline commence à être raccourci tout d'un coup. Ah, ça. Arcolectique sur le FK. Déro. Ça va régène son sacré. 575, 625. Aïe. Non. Ok. Ah bah ouais, là, il pouvait rien faire tout seul. GG aux deux équipes.